Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on est là sur Naruto Tomoroto Shinobi Striker pour un nouveau build. Oui, je sais que ça fait très très longtemps que vous vouliez du Shinobi Striker, donc voilà, c'est chose faite. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on est là pour le build de Minato Modermite. Oui, on va pas se mentir, c'est un build sur un mode qu'on ne sait pas comment a eu Minato. Parce qu'il n'est pas allé dans le monde beaucoup. On va aller le faire, voilà, ça fait plaisir. J'avais envie de faire ce build depuis un petit moment. Et sur un personnage très très stylé qui est Minato Namikaze. En tout cas, je compte sur vous pour mettre un maximum de miens et pouces bleus, ça fait plaisir. Et ça aide au référencement, bien évidemment, de mettre hashtag Minato en commentaire également pour le référencement. Évidemment de partager la vidéo à tous vos potes fans de Naruto et fans de Shinobi Striker. Et bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bref, c'est parti pour le build, let's go. Ça y est, avec le frérot Minato Namikaze en mode ermite. Il est plutôt stylé, on va pas se mentir. Mais évidemment, comme d'habitude, je vais vous montrer le build du personnage. Et évidemment, vous montrer un petit match avec ce build là. Pour vous montrer ce beau personnage en action, on va aller voir ça tout de suite. Donc, voilà comment on le crée. Vous mettez le type de corps 1, vous mettez la coiffure de Minato. Non, c'est pas vrai. Vous mettez le sourcil 5, les yeux numéro 2, la pupille numéro 9. Pour les yeux de Minato, je me suis dit, on va lui mettre directement cette couleur là, comme ça on aura l'impression du modermite. Et le bandeau, bien évidemment, vous mettez cette couleur là, et dites-moi ce que vous en pensez, vous mettez une petite note sur 10. Allez, petite note sur 10 en commentaire, ça fait plaisir. Et la voix, vous mettez numéro 9. Ok. Donc nous voilà avec le petit Minato. Donc c'est un attaquant. Bien évidemment, c'est un attaquant. Donc comme on peut voir, je lui ai laissé le taijutsu. J'ai bien évidemment mis le kunai de Minato. Logique, Minato sans son kunai, ce n'est pas Minato. Alors ça par contre, ça va être la particularité de ce build. Bien évidemment, si vous n'avez pas acheté le DLC de Minato, eh ben vous ne pouvez pas faire le build de Minato. Ah. Donc pour les techniques, eh ben tout simplement, je suis parti sur le répulsion céleste. Bien évidemment, comme Naruto Ermite. Voilà, faut pas oublier qu'il utilise l'énergie naturelle en moins long. Bien évidemment, on a mis son Hiraishin niveau 2, c'est obligatoire, ça me paraît logique. Voilà, de mettre ce petit Hiraishin. J'ai mis le déplacement hyper rapide. Donc voilà, on est avec le personnage de Minato, je me dis, bah on joue la rapidité quoi, c'est logique. Oui. Et Minato sans le Rasengan, et bah c'est pas Minato, donc du coup je lui ai mis le méga orbe tourbillonnant géant, ce qui lui permet aussi de passer réellement en mode ermite. Donc là on aura vraiment Minato en mode ermite. C'est génial! Donc le voilà, le petit build qui fait plaisir pour Minato mode ermite. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis nous, on va aller faire une petite game. Oui, on va faire une petite game, donc c'est parti, let's go! Écoute-toi. Allez les gars, c'est parti, on va enfin tester Minato Modermite. C'est parti, let's go. Ah, il est beau notre Minato. Mais oui, c'est clair. Allez les gars, hop, le petit Minato Namikaze en mode ermite modo. Ikuzo. Ok, bon, j'ai un peu fait n'importe quoi. Attention, Mitsuki. Hop, voilà. Hop là, petite esquive à la Minato. Attention, attention Mitsuki. Mitsuki, monsieur, calmez-vous. Voilà, respectez. Petit Minato Modermite. Modermite. Hop. Boum, boum. Hop là, on tape dans l'air, nous. Hop là. Hop là, on te reprend à l'arrière. Boum, voilà. Respectez Minato. Voilà. Mais c'est un malade. Oui, il veut quoi, lui? Oh, le Shinra Tensei qui est pas passé. Oh, attention, attention, monsieur. Il s'agirait de vous calmer. Calmez-vous, calmez-vous, Boruto. Voilà. T'as beau être en... Borushiki, ma gueule, moi je te la mets avec Minato Modermite. Voilà. Hop, attention. Eh, c'est quand même Minato Modermite, monsieur. Voilà, hop, on part. On est pas mal. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ah, à chaque fois je me fais avoir par le Shinra. Je pense que à chaque fois c'est un truc vraiment très loin. Et pas du tout. Hop, bordel. Aïe, aïe, aïe. Hop. Tac. Hop. Attention, le Boruto, le Borushiki, le Borushiki. Hop là, le petit Yamato. Respectez le Modermite. Eh oui. Hop là, attention, on tape dans l'air, nous. Tape dans l'air, monsieur. Pourquoi il va chercher Mitsuki absolument, là? Tac, tac. Hop là. On respecte Minato Modermite. Clac, clac, clac. Attention, moi, je tape dans l'air. Apparemment, non. Oh, pas touché. Dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. Attention, il y a du people, il y a du people.
Sennin Mondo. Bruh. Voilà. Calme-toi, toi. Coucou. Oh, fuck. Non. Pourquoi tu me tapes, moi? Y'a lui qui veut se taper. Voilà. Calme-toi, Borushiki. Hop là. Au revoir, Borushiki. Hop. Tac. Nope. Non. Calme-toi avec ton Rasengan. Hop. Hop là. Hiraishin. Attaque du mode Sennin, ma gueule. Hop, hop, attention. Eh oui. Hop là, regardez-moi ça, la vitesse de Minato qui est déployée avec le mode Sennin en plus. Et c'est ciao. Hop là, ciao. Bon, tu as de notre clamsé là, je suis en train de voir. Hop là. Oh, il m'a tué de fou là, le Boruto. Oh, l'enfoiré, le bâtard. Enculé. C'est pas grave, on va le refaire notre mode Sennin. Le mode Sennin, il est là. Nique ta mère. Comment ça? Dégage. Voilà. Voilà, mode Sennin. Tension. D'accord. Hop, hop. Calme-toi. Pam, pam, pam. Non. Dommage, dommage. Ça aurait pu être bien placé. On va le finir réellement en mode Sennin. On va utiliser la dernière... La dernière étape, le gros Rasengan à la Naruto. Oh là là, comment je le maîtrise. L'éclair jaune de Konoha est là. Mode Sennin. Eh, c'est quand même stylé, hein, le fait que j'utilise bien le mode Sennin et tout. Heureusement. Attention. Mode Sennin. Hop. Boum. Voilà. Boum. Petit triple kill, là, comme ça, avec Minato Ermite. Voilà, quoi. Oh là, regardez-moi ce beau gosse en mode Ermite. Ah oui, oui, oui. Et voilà les frérots, en tout cas, voici Minato en mode ermite. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, franchement, le combo vraiment Hiraishin, répulsion céleste en mode Sennin et tout, je trouve ça passe super bien. Ça balance du Hiraishin, la vitesse, le mode Sennin. Voilà, ça faisait un petit peu de changement, c'était un petit peu cool. L'attaque ultime qui passe bien et ça te montre vraiment Minato en mode ermite. Non, franchement, incroyable. Même si, en plus, si on réfléchit bien, c'est le Edo Minato qui est en mode ermite. Mais s'il l'avait en Edo, ça veut dire forcément qu'il l'avait en base. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Bon, bah, je vais prendre des notes. Hein. En tout cas, j'ai grave bien kiffé faire ce petit build. Ça faisait un petit moment. Voilà. Et puis, moi, je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, encore une fois. Pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas que la Mira Family est toujours en vous. Et sur ce, ciao les gars.